But look at the split. A second echelon is about to form as the riders realise that they cannot close the gap. Roglic takes the first red jersey. Brian Tarame wins the stage. Two wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. Jakobsen takes his second stage win. Damiano Caruso wins. Michael Storer, two wins in La Vuelta. Roglic crashed yesterday, bounces back today, wins stage 11. Who's going to take it? It's Magnus Cort, wins another stage of La Vuelta. Bonjour à tous et bienvenue sur la 13e étape de la Vuelta 21. Aujourd'hui, les sprinteurs reprennent du galon sur les routes espagnoles et sur la plus longue étape de ce tour, plus de 203 km entre Belmes et Villanueva de Serena. Il s'agit de l'un des derniers rendez-vous, alors il faut briller, étape sans difficulté, favorable à une échappée. Les équipes de sprinteurs devraient donc avoir envie d'en découdre. On fêtera des anniversaires aujourd'hui, notamment celui du favori du jour, Fabio Jakobsen. Il se souvient qu'il y a 2 ans, jour pour jour, il remportait sa première étape sur un grand tour. C'était sur la Vuelta à El Puig de Santa Maria. Ah, c'était un moment important. C'est sûr que gagner sur un grand tour quand vous êtes sprinter, ça veut dire beaucoup. Ça fait déjà 2 ans, le temps passe. Aujourd'hui, je pense que c'est encore une longue étape. J'attends avec impatience le final. J'espère que ce sera un sprint massif. Côté anniversaire, l'équipe Groupama FDJ n'est pas en reste. Olivier Legac aujourd'hui, Arnaud démarre hier. Forcément, ça donne des envies. Bah moi, j'attends un petit cadeau quand même en fin de journée. Je fais un cadeau pour tous les deux. Ouais, voilà, on va essayer de bien faire. On a l'équipe pour, donc voilà, on a une opportunité aujourd'hui de sprint. Donc on va donner le maximum et essayer de gagner l'étape avec Arnaud. Les coureurs avec un peu d'expérience chercheront aussi à se montrer à l'image d'un Matthews, 2 fois 3e depuis le départ de cette Vuelta. Je pense qu'une échappée peut aller au bout aujourd'hui, ou peut-être un sprint massif, on verra. Je pense que c'est l'une des dernières opportunités pour les purs sprinters, alors peut-être qu'on va contrôler la course et ensuite on verra comment sont les jambes à l'arrivée. We'll see what legs I have today in the finish. On retrouve un scénario un peu plus classique sur cette 13e étape avec une échappée qui prend la fuite dès les premiers kilomètres avec les 3 équipes invitées sur cette Vuelta. Burgos BH est représenté par Diego Rubio, Euskaltel a placé Luis Angel Mate à l'avant et Kaja Rural fait confiance à Alvaro Cuadros. Avec un sprint de bonification placé à quelques kilomètres de l'arrivée, à Don Benito, à 11 kilomètres donc de l'arrivée, les équipes de sprinteurs devraient faire l'effort sur la fin de tracé, mais aujourd'hui, on cherche à récupérer avant un gros week-end en montagne et après un début de semaine mené à un rythme fou. On avoisine seulement les 39 km/h de moyenne sur les 100 premiers kilomètres et l'écart est sous contrôle du peloton. L'échappée a bien eu 3 minutes d'avance, mais à 100 km de l'arrivée, l'écart avoisine les 2 minutes 30. En tête de peloton, plusieurs équipes travaillent de concert aux côtés des favoris du jour de Koenig Quickstep avec Fabio Jakobsen. On retrouve tantôt DSM, tantôt Groupama FDJ ou encore Lotto Soudal avec un homme pour prendre les relais. Dans l'échappée du jour, peu d'expérience sur les grandes courses. D'ailleurs, seul Luis Angel Mate a connu le succès en professionnel, mais voilà déjà 10 ans avec une étape en 2010 sur le Tour de San Luis en Argentine et sur la Route du Sud en 2011 en France. Le Lynx, c'est son surnom, en est à 10 participations à la Vuelta, tandis que Rubio dispute son 4e tour d'Espagne de suite. Cuadros, lui, découvre un grand tour de 3 semaines. Alors que l'étape ronronne, l'écart entre les échappés et le peloton fait le yo-yo, tout le monde est réveillé par le vent qui fait son apparition sur les longues lignes droites. This race is suddenly starting to kick off. It seems like there might be a crosswind possibility and there's a big acceleration. 60.5 kilometers to go. But look at the split. A second echelon is about to form as the riders realize that they cannot close the gap on the front group of riders who are going away. And in the group is Caruso. Yates is in there. All of the Jumbo Visma team. And look at this. The peloton now into 3 lines, 3 different groups. Well, Bernal was right at the back of the group when it went.
He had been sitting at the rear of this peloton all day, and now you see the peloton in two distinct groups. They're about to catch the breakaway. There are just 22 seconds up the road. Une séquence qui n'aura pas mis les coureurs en difficulté car tout le monde reprend rapidement sa place dans le peloton après quelques kilomètres de chasse. En revanche, pour les hommes de tête, il ne leur reste plus qu'une poignée de secondes d'avance à moins de 55 km de l'arrivée. Après quelques kilomètres de résistance, l'échappée se termine à moins de 30 km de l'arrivée donc. Les équipes de sprinteurs se replacent à l'avant pour préparer le sprint intermédiaire quelques kilomètres plus loin, mais surtout le sprint final à venir. Le sprint intermédiaire de Don Benito surprend tout le monde. Fabio Jakobsen, accompagné par son coéquipier Bert Van Lerberghe, passe seul sur la ligne. On retrouve les deux Kenan Quickstep dans l'emballage final. Jakobsen a plusieurs coéquipiers devant lui. La victoire semble promise aux Néerlandais. Jakobsen has a problem, he's gone. Do De Koenig and Quickstep know that they have lost their sprinter? Who's going to win this stage? This is so messy. Here goes Matteo Trentin. Trentin is launching for the line. Who's going to get it? It's going to be a photograph right on the finish line. It's a victory for De Koenig and Quickstep. They take the victory right on the line. C'est la grosse surprise de la journée. Finalement, pas de Fabio Jakobsen, vainqueur à Villanueva de la Serena. Dans un sprint décousu, le peloton s'est effiloché et Florian Sénéchal, habituel poisson pilote des gros sprinteurs de la De Koenig Quickstep, a poursuivi son effort. Lui, habituellement dans l'ombre, voit la lumière aujourd'hui. Premier succès de la saison, premier succès sur un grand tour. Il y a de quoi être ému après un tel final. Je sais pas, j'ai fait mon sprint à bloc et... Heureusement qu'elle est radio pour me dire que j'avais carte blanche, Fabio était bloqué, je sais pas pourquoi. Et j'ai une équipe incroyable qui m'a déposé sur un plateau et je sais pas comment les remercier, mais je leur dis mille fois merci pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Florian Sénéchal remporte une première victoire sur la Vuelta et permet à la De Koenig Quickstep de continuer à rayonner sur le sprint. Il devance sur la ligne Matteo Trentin qui tourne autour depuis hier, 4e et donc 2e aujourd'hui. Toujours pas de victoire cette saison pour l'ancien champion d'Europe. Dénézé est encore sur le podium, il fait 3e. Au général, pas de changement. Malgré les bordures et un final compliqué, les favoris ont fini ensemble. Résultat, Odd Christian Eiking s'avance encore en leader avant un week-end montagneux et compliqué. Le maillot vert est toujours en possession de Jakobsen qui a pris tout de même des points au sprint intermédiaire aujourd'hui. 20 points importants qui lui permettent de garder une belle marge. 86 points d'avance sur Magnus Cort Nielsen. Pas de points pour la montagne aujourd'hui. Damiano Caruso de Bahrain Victorious va défendre son maillot ce week-end sur deux étapes ardues face à Romain Bardet. Egan Bernal a subi aujourd'hui, notamment au moment des bordures, mais pas de soucis pour le Colombien, toujours maillot blanc de meilleur jeune sur les épaules. Demain, début d'un week-end chargé avec la 14e étape entre Don Benito et Pico Villuercas, 165 km et deux gros cols de première catégorie à escalader avec un final en altitude au sommet du Pico Villuercas après plus de 14 km à plus de 6% de pente moyenne. Et King aura fort à faire face à Roglic qui voudra certainement retrouver son maillot de leader et pourquoi pas remporter une nouvelle étape.